en portant les candidats du Rassemblement national et de ses alliés en tête, en leur permettant d'accéder au second tour dans une écrasante majorité de circonscriptions, les Français ont fait naître un espoir sans précédent dans tout le pays. Je veux leur exprimer ma gratitude et je les appelle à rester mobilisés dans un ultime effort dimanche 7 juillet prochain. Le vote qu'ils exprimeront dimanche prochain est l'un des plus déterminants de toute l'histoire de la Ve République. J'entends être un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du Président de la République, mais intransigeant sur la politique que nous mettrons en œuvre au service de la France et au service des Français. J'appelle donc ce soir tous les Français attachés à leur liberté, au redressement de la France, à me rejoindre pour amplifier la dynamique et faire gagner l'union nationale face à ceux qui entendent nous diviser, abîmer l'ordre public et bafouer nos valeurs.